Équilibre d'un corps, d'un solide, celui à trois forces non parallèles. Les conditions de l'équilibre. On a trois forces, F1, F2, F3, et l'anneau ou bien le corps est soumis à trois forces. Les conditions de l'équilibre. Lorsqu'un solide, un corps, est soumis à l'action de trois forces non parallèles et en équilibre, alors les droits d'action ou bien les directions des trois forces sont coplanaires, c'est-à-dire appartiennent au même plan, concourantes ont le même point d'intersection. Concourantes, ça veut dire les directions du et les directions des trois forces se croisent en un même point. Il est la figure. La droite d'action de F1 est delta 1, la droite d'action de F2 est delta 2, et la droite d'action de F3 est delta 3, et les trois forces se croisent le même point. La somme vectorielle des trois forces est nulle. Alors F1 plus F2 plus F3 vecteur, c'est égal au vecteur nul. On a deux méthodes possibles. La méthode géométrique, on translate les vecteurs. Quand on déroule les vecteurs, une translation. Isaha. Quand on cherche les vecteurs, quand on cherche les moyennes, quand on profite de chi haja. On translate les vecteurs tout en respectant les angles spécifiques entre vecteurs. Je dis bien les angles spécifiques. Zawaya moyennes. بحال F2 F3 لونغل اللي بيناتهم هي 90 درجة اونتر F2 F3 هنا ان لونغل دغوا en respectant aussi l'origine du premier vecteur soit confondu avec l'extrémité du deuxième vecteur ou invitation باش تشوفوا ليا لاسون فيكتوريال في واحد الفيديو في لا شين ديالي. L'origine du premier vecteur soit confondue avec l'extrémité du deuxième vecteur. C'est-à-dire la translation. À la SS, parce que l'origine du vecteur est l'extrémité de l'autre vecteur. Au final, on va aboutir à une forme géométrique, l'équipement polygone ou la ligne polygonale fermée. Exemple, quand on dit la translation F3, quand on a fait le moment de la quand on a la translation F2, ben je vais donner une extrémité origine. Tout le monde, quand on a la somme égale à 0, on a un F1 à la SS, tu vas donner l'extrémité origine des deux côtés, ou tu as la forme géométrique fermée. La méthode analytique. Pour la méthode analytique, il faut choisir un système d'axes OX, Y, on détermine les composantes de chaque force. Les composantes de chaque force, invitation dit que la vidéo de faire les composantes. Afin comme parce qu'on voit les composantes, c'est important dit que le chemin bien. Et là, on a les composantes d'un vecteur, très bien Salina. Ou la somme algébrique des composantes sur le deux axes est nulle. Ce que veut dire on a la formule, on a pelha, pelha. Nous voulons sur l'axe des x, projection sur l'axe des x, ou nous voulons tenir projection sur l'axe des y. Donc, les conditions d'équilibre ou les deux méthodes. Nous voulons les concurrentes. Les directions des forces se croisent au même point, ont le même point d'intersection. Par deux exemples, on a le point P, on a la tension d'IL. Le ressort, les directions des deux forces se croisent en un point. Alors la troisième force liée à l'action de l'axe doit passer par le point O et sa direction obligatoirement sa douce n'aide le point. Les forces sont concourantes. Alors on va dire la direction de là, on va dire la force R. Un autre exemple. On a avec le poids qui est sur le milieu de la barre AP. On a la tension de le ressort T. Les directions de les deux forces se croisent en un point. Se croisent le point. Alors, la réaction de
le plan, le point B, ou là, le contact de la barre AB avec le plan vertical, le point B, doit passer obligatoirement à le point d'intersection. Alors commence par B et orienté selon la direction de la force. Un troisième exemple, toujours le poids. On a la tension du fil. Les directions des forces se croisent en un point. Alors l'action en un au point A, ça, tu donnes le point A, c'est le point de contact. Pour cette 12, la direction est là, mais le point d'intersection est les deux forces, d'où la force R. Dans deux exercices, un exemple. Un solide homogène de masse 1 glisse sans frottement sur un plan P, incliné faisant un angle alpha avec l'horizontale. Ce solide retenu par un fil extensible de masse négligeable parallèle au plan P. Le schéma de Kohn-Helco. Les questions, faire le bilan des forces sur le solide, déterminer les intensités des forces appliquées sur le solide S par deux méthodes différentes. On donne la masse G et l'angle alpha. La réponse, étude de l'équilibre, faire le bilan. On a comme force le poids du corps, comme force à distance. Le contact se fait avec le fil, d'où la tension derrière le fil. Il se fait avec le plan pi, d'où la réaction de plan. Le corps S est en équilibre sous l'action de trois forces P, T, R et la somme de l'oméga à 0. Alors la première méthode, ce sera la méthode géométrique. On procède à la translation, on respecte les angles. On remarque que P et R, l'angle qui est minette, on voit c'est une daraja. Le poids est toujours vertical. Alors si on commence par le poids, on translate les vecteurs. On commence par P parce que c'est vertical et toujours vertical. Alors on doit tracer P et R de sorte que l'angle des binettes ont toujours ce compte, c'est un daraja. Alors on a T, puis R et l'angle des binettes ont ce compte, c'est un daraja. Si on arrive à déterminer l'angle alpha, comme sur le schéma, alors on travaille avec sinus ou bien cosinus, même parfois la tangente pour déterminer les autres forces. C'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode analytique. Il faut choisir un système d'axes. Alors on choisit O, I, J comme c'est indiqué dans le schéma. On remarque que T est parallèle à X et R est parallèle à Y, mais P ni parallèle à l'un à l'autre. Alors, on aura la somme des forces égale à 0. Sur les axes O et J, sur l'axe OX, on aura PX plus RX plus TX égale à 0, de même pour Y. Déterminer les expressions des coordonnées de chaque force. Alors, pour P, on a deux composantes. La composante sur l'axe des X et la composante sur l'axe des Y. On détermine l'angle alpha et on constate que PY par rapport à alpha, c'est le côté adjacent, alors c'est un cosinus. PX, c'est le côté opposé, c'est un sinus. Et pour les signes, le poids P avec l'axe des X dans les sens opposés, c'est négatif. De même pour Y. Alors on aura Px égale à moins mg sinus alpha, Py c'est à moins mg cosinus alpha. Pour R, elle est perpendiculaire à l'axe des x, donc Rx égale à 0, parallèle à l'axe des y, donc Ry c'est égal à R. Pour T, T est parallèle à l'axe des x, alors Tx est positif, égal à T, Ty égale à 0. Résoudre les deux équations, ça veut dire on fait la somme sur l'axe des X et sur l'axe des Y pour aboutir en fin de compte à T égale à mg sinus alpha. Tout calcul fait, ça va donner 2,5 newtons. Et R c'est égal à mg cos alpha. Tout calcul fait, ça va donner presque 4,33 newtons. Un autre exercice. On considère un solide S de masse M accroché à un ressort R et à un fil F. Voir figure. Le ressort de constante de raideur K est incliné d'un angle alpha par rapport à la verticale. Bon,
On fait le bilan des forces exercées sur le solide S. On a bien évidemment le poids, la tension de fil et la tension de ressort, la tension, le poids du solide. Représenter les forces, on a P par suite T par suite T. Alors c'est par FIT. Les trois forces assurent l'équilibre. On choisit un système d'axes OX, Y, de sorte que les composantes soient faciles à trouver. Les composantes de chacune des forces, P, a deux composantes, PX égale à 0, vu que P est perpendiculaire à l'axe des X, PY elle est parallèle à l'axe des Y, donc PY c'est égal à moins P, moins parce que P et l'axe des Y ont des sens opposés. Pour F, F est parallèle à l'axe des X et du même sens que l'axe des X, alors Fx égale à F, Fy égale à 0. Pour les composantes de T, on détermine ces composantes, Tx, Ty, comme c'est indiqué dans la figure. En précisant l'angle alpha, on peut en déduire que Tx par rapport à alpha, c'est le côté adjacent, alors c'est moins T sinus. Pourquoi le moins? Parce que T et l'axe des X ont des sens opposés. De même pour Y, mais avec un Ty, c'est égal à moins T cosinus alpha. Les conditions de l'équilibre. Un corps est en équilibre sous l'action de trois forces. C'est les directions de la force sont coplanaires concourantes et l'action vectorielle est nulle. L'expression de la tension T en fonction de mg à alpha. On a déjà déterminé les composantes de chaque force. Alors, on va résoudre les deux équations. Px plus Fx plus Tx égale à 0. Et Py plus Fy plus Ty égale à 0. En fin de compte, on aboutira à F, c'est égal à T sinus alpha. Et Mg, c'est égal à T cosinus alpha. D'où T, c'est égal à Mg divisé par cosinus alpha. On peut de même faire la méthode géométrique. On constate que F et P ont forment un angle spécifique égal à 90 degrés. Alors on fait la translation de sorte qu'on respecte les angles et on a toujours extrémité origine. De la même manière, on ajoute T pour avoir une figure fermée et on garde toujours extrémité origine. Si on détermine l'angle alpha, on peut déterminer aussi, on prouver que T est égal à Mg sur cos alpha avec une deuxième méthode. On calcule T et on sait que T est égal à K delta L, d'où delta L est égal à T sur T, ça va donner 0,057 mètres. Un autre exercice. Un solide S de masse 1 est maintenu à l'équilibre sur un plan incliné parfaitement lisse d'inclinaison alpha égale à 30 degrés par rapport à l'horizontale par l'intermédiaire d'un ressort de masse négligeable et de constante de raideur K est allongé. L'axe du ressort fait un angle θ avec la ligne de la grande pente de plan incliné. Voir la figure. On aimerait bien répondre à ces quatre questions. Le bilan des forces appliquées sur le solide, on a le poids P, on a R la réaction de plomb, on a dit que incliné parfaitement lisse, ce qui veut dire les frottements sont négligeables, T la tension du ressort. Les conditions d'équilibre d'un solide à trois forces. Lorsqu'un corps tend l'équilibre sur trois forces, alors les directions sont coplanaires et concourantes et la somme vectorielle des trois forces égale à 0. Déterminer les expressions des coordonnées par rapport à un système d'axes OX, OY, PX c'est égal à moins MG sin PY moins MG cos, R c'est RX, RY et T, on a T cos et T sin θ. Pour déterminer les composantes, on trace un triangle rectangle. Par rapport à l'angle alpha, T, X
Et le côté adjacent, donc, c'est le cos par rapport à l'angle θ plutôt. TY, c'est le côté opposé, alors c'est sinus. On résout l'équation pour déterminer delta L. Px plus Rx plus Tx égale à 0, ce qui donne moins Ng sinus alpha plus T cos θ égale à 0. Et Py plus Ry plus Ty égale à 0, ce qui donne T cosinus. T cosinus θ est égal à mg sinus alpha. Là. 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 Tu calcules, fais exprimer l'allongement. Exprimer l'allongement. On applique Px plus Rx plus Tx égale à 0, on aboutira à moins mg sinus θ plus t cos θ égale à 0, ce qui donne t cos θ égale à mg sinus, d'où t c'est égal à mg sinus sur cosinus. Mais si vous avez les deux relations, pas de trace que vous avez mis t égale à k delta L, d'où delta L est égal à mg sinus alpha sur cosinus θ. Tout calcul fait, ça va donner 0,0026 mètres. Un autre exercice. Une barre homogène AB de longueur L, de masse M, mobile autour d'un point B d'un mur vertical. Au point C, la barre est maintenue en équilibre par un ressort horizontal de raideur K et qui est fixé sur le mur vertical. À l'équilibre, l'angle 58 degrés avec le mur et le ressort s'allonge de 2,5 cm en dalle. Faire le bilan des forces sur la barre et la suite. Faire l'inventaire. On a payé le poids de la barre. C'est pas de. Oui, de la barre. De la barre, c'est pas de la boîte. De la barre. La réaction du mur et la tension du ressort. Représenter les forces sur la figure. On aura le poids P, la tension du ressort. Alors là, on n'oublie pas que les forces doivent être coplanaires. Alors, on ne peut pas représenter la force R, sauf si on représente en premier sa direction. Si on représente la direction, on peut tracer sans problème la force R en se basant que les trois forces doivent être, les directions plutôt des trois forces doivent être coplanaires. Non, doivent être concourants. La nature de contact entre la barre et le mur, la réaction étant inclinée, donc se fait avec frottement. Tracer le polygone. Pour tracer le polygone, bien sûr, on remarque que P et T forment un angle droit. Alors, on fait une translation de sorte que l'extrémité de l'une coïncide avec l'origine de l'autre et on forme la figure géométrique en se basant aussi sur l'extrémité de l'une coïncide avec l'origine de l'autre, on va aboutir à une forme géométrique fermée. Si on détermine l'angle phi, on constate qu'on peut travailler avec cosinus ou bien sinus, même vectorus. Alors, R est égal P au carré plus T au carré parce qu'on a un triangle rectangle. On prend PX, Y, on prend les deux axes. On détermine les composantes de chaque force. On a les deux axes, X et Y, qu'on a précisé. PX est égal à 0 vu qu'on a perpendiculaire l'axe des X. T de même parallèle l'axe des X, alors TX égale à moins T, mais TY égale à 0. R a deux composantes, Rx et Ry. On cherche à déterminer les valeurs de Rx et Ry. Par la méthode analytique, on aboutira à Px plus Tx plus Rx égale à 0 et Py plus Ty plus Ry égale à 0, ce qui donne que Rx égale à T est égal à K delta L et Ry égale à Mg. On aboutit au même résultat, 5,15 newtons. On peut déterminer la valeur de l'angle alpha en se basant sur tangente phi par exemple, ce qui va donner tangente phi égale 0,25 et phi égale à 14. Autre exercice,
Une barre homogène OA de longueur L et de masse M, mobile sans frottement autour d'un axe fixe delta, passant par son point, son extrémité O. L'autre extrémité est liée à un ressort de constante raideur K, c'est égal à 20 Nm moins 1. La totalité de l'exercice. Faire le bilan des forces. Faire l'inventaire des forces. On a le poids, la réaction de l'axe et la tension du ressort. Rappeler les conditions de l'équilibre. Les conditions de l'équilibre. Les directions des forces doivent être coplanaires, concourantes et la somme vectorielle égale à 0. On calcule le poids et la tension, P égale à mg 1 N, T égale à K delta L 0,4 N. On représente les deux forces, P et T, représenter les forces et déterminer les composantes. Pour déterminer les composantes, il faut choisir un axe. Et on a Px et Py, c'est égal à moins mg sin moins mg cos et T. C'est égal à Tx égale à T, Ty égale à 0, Ty égale à 0 parce que T est perpendiculaire à l'axe Y. Pour déterminer la réaction de l'axe Rx et Ry, on utilise les conditions de l'équilibre, Px plus Tx plus Rx égale à 0 et Py plus Ty plus Ry égale à 0. Comme résultat, on va aboutir à moins mg sinus plus T plus Rx égale à 0 et moins mg cosinus plus 0 plus Ry égale à 0. D'où Rx est égal à mg sinus moins t et Ry est égal à mg cos. D'où R, c'est la racine de Rx au carré plus Ry au carré, ce qui va donner comme résultat final 0,086 N. Représenter la réaction de l'axe. Pour représenter la réaction de l'axe, il faut bien comprendre que les trois forces doivent être concourantes, ont le même point d'intersection. Leurs directions se croisent au même point. Alors il faut tracer la direction de la force T, celle de P, par suite celle de R, et en fin de compte, tracer R. Wallahu waliyut tawfiq.